Est-ce qu'on vous voit? Est-ce que vous êtes où lorsque les gens sont en difficulté? Lorsque vos guerriers qui sont devant, lorsqu'ils sont en difficulté, est-ce qu'on vous voit? Est-ce qu'on vous voit? Je ne suis pas le seul qui a eu des problèmes. Black Mondo a eu des problèmes ici. Qui était là? Dessin animé a eu des problèmes ici. Qui était là? Et pourtant, ces gens ont sacrifié tout pour vous. Dessin animé a sacrifié ses papiers pour vous. Il a sacrifié son obtention de choses comme ses papiers en France pour vous. Mais quand il a des problèmes là, quand il a ces problèmes, qui est là? Qui est là? Il n'y a personne. Vous aimez ceux qui font les vues. Mais justement, c'est quand les gens sont serrés. Je ne dis pas qu'on ne travaille pas. Mais les gens dont je parle se débrouillent. Même quand il ne faut pas grand-chose, mais ils se débrouillent. Mais ils trouvent toujours un moyen pour vous faire plaisir, pour faire un combat. Pour qu'on gagne et que vous qui êtes dans vos salons avec des cravates, vous qui êtes qui avez les gros diplômes là, pour que vous venez après occuper des postes pour penser à vos familles, pour envoyer vos familles aux États-Unis, pour envoyer vos familles en Europe, pour s'occuper de vos familles, pour rouler dans les grosses cylindrées, pour comment dire, avoir les filles de vos rêves. Nous devons faire un combat pour qu'en fait, après, vous venez en bénéficier. Il y a des choses qui peuvent arriver par hasard, mais la plupart du temps, tout est planifié. Tout dépend de ton attitude. La femme que tu vois, que tu avais attaquée, dis-moi c'est ton ou bien ou de tes parents, ou tes grands-parents, peut se comparer à elle. Là où elle allait étudier pour avoir son diplôme, dis-moi qui de tes parents, parmi tes parents, qui même a pu déjà rentrer dans une ambassade coréenne? Parmi tes parents, quand je dis parents, je parle de ton père, de ta mère, du père de ta mère, de la mère de ta mère, du père de ton père, la mère de ton père, de leurs sœurs et frères, tout cela. Qui déjà est rentré dans une ambassade coréenne de ta famille? Est-ce que toi-même, dans ta famille-là, qui est déjà rentré, ne serait-ce que même dans une ambassade européenne ou bien asiatique, ou bien même chose arabe? Vous connaissez route d'ambassade? Et c'est toi qui vas venir manquer du respect à une grande femme comme elle. Une femme qui peut te nourrir, qui peut changer ton destin. Tu crois que vous êtes même... Parce qu'on dit les réseaux sociaux, et comme n'importe qui, on ne paye pas pour s'inscrire sur les réseaux sociaux, alors tu crois que tu peux te permettre n'importe quoi et dire n'importe quoi? Tu crois que tu peux t'attaquer à n'importe qui?